chante le Seigneur. Et criant de joie, marchez vers lui. Chantez le Seigneur. Envoyez par l'homme pour guérir et sauver les hommes. C'est pas évident, mais je voudrais quand même dire un mot pour permettre au début de cette Aurupai et afin que nous la prions, nous prions pour elle en connaissance de cause. Elle est née en Guillemans. Guillemans, ça se trouve dans le territoire de Dungu, en province du Haut-Ouélé. Elle est née le 12 décembre 1966. Et elle est décédée le 27 mars 2024 à Nairobi, au Kenya. Et elle a été inhumée ce matin à 8h55 à Yambio. Yambio, c'est le chef-lieu de Budu State au sud Soudan. Qui est Marie Vesancio, que nous pleurons aujourd'hui? Elle est huitième enfant de notre famille, la famille de notre papa Lambert de Zengfu Nganzi et de maman Vivine Kania Guinidoubele. Moi, je suis sixième de la famille. Et donc, devant moi, il y a cinq enfants. Et après moi, il y a cinq enfants aussi. Et Marie Vesancio se trouve être la huitième. Elle a beaucoup souffert depuis pratiquement 3 ans. Déjà, en 2021, elle a fait une crise de AVC qui l'a conduit pendant un long traitement de Djouba à Nairobi.
Et ça a affecté ses capacités motrices du côté gauche. Alors qu'elle était en rééducation, qu'elle avait même repris son travail, le 17 mars, elle a fait une deuxième crise. Et cette deuxième crise a affecté maintenant son côté droit. On l'a amenée. Elle est restée dans le coma pendant une dizaine de jours. Et le mercredi, bien. Voilà un peu les circonstances de son décès. Mais qui était-elle effectivement dans la vie? Et comme je vous ai dit, elle est notre huitième enfant, mais elle a eu la particularité et qu'elle n'a pas vécu au Congo. Et déjà à l'âge de 3 ans, nous avons aussi une particularité dans notre famille, c'est que la famille de mon papa, ils sont 6 enfants, 2 garçons et 4 filles, mais 4 tantes donc n'ont pas eu d'enfants. Tandis que mon père et son petit frère Étienne Sokoté, mon père il a eu 11 enfants, 7 filles et 4 garçons. Le petit frère à mon père Étienne, il a eu 9 enfants, 8 filles, 1 garçon. Et ce qui fait que notre tante, qui s'appelle Rostika Molidie, qui était mariée à un réfugié soudanais, Bernard Guima, est venue voir son grand frère pour qu'il lui donne un enfant. Et c'est notre petite sœur Marie Vincencio qui a donc été donnée. Et ici, on parlerait d'adoption. Mais dans notre coutume, l'adoption n'existe pas. Donc, on a donné l'enfant à la petite sœur. Voilà comment notre Marie Vincencio est arrivée au Soudan à l'âge de 3 ans. Et elle a fait toute sa vie là-bas. Dieu l'a bénie en lui donnant 3 enfants. Et de ces 3 enfants biologiques, elle a adopté 2 autres enfants. Et Dieu a donné aussi, lui a donné la chance de voir, de vivre avec ses 5 petits-enfants qu'elle a eu au Soudan. Et elle a fait toutes ses études primaires, secondaires au Sud-Soudan, à Mundri et à Yambio, tandis que ses études supérieures, elle a fait à Temple International College de Nairobi pour terminer son le plus grand diplôme qu'elle a eu en Business Administration à Cambridge International College. Ça, c'est en Angleterre. Alors, sur le plan purement professionnel, elle termine sa vie comme agent de USAID. USAID, c'est une agence des États-Unis, du gouvernement américain pour le développement international. Elle a travaillé pendant 18 ans comme exécutif de USAID, que ce soit à Kampala, que ce soit à Nairobi et que ce soit finalement à Djouba où elle a terminé. Mais bien avant ça, elle était membre du Conseil œcuménique des églises du Sud-Soudan. Elle représentait donc l'église catholique du Sud-Soudan dans le Conseil œcuménique des églises. Et vous connaissez un peu l'histoire du Sud-Soudan. Quand bien même ils étaient en guerre et ils étaient en mouvement, mais cette organisation, des fois ça fonctionnait au Kenya, des fois ça fonctionnait en Ouganda, pour devenir maintenant. Mais bien avant ça, son diocèse d'origine là-bas, c'est Tombo-Yambio, où elle a aussi travaillé comme secrétaire du diocèse.
Elle a été aussi politiquement engagée là-bas. Elle se retrouve un peu parmi les compagnons de la révolution, du régime qui a amené l'indépendance du Sud-Soudan, la Sudanese People Liberation Army, mais elle était plutôt dans le SPLM, qui est la branche politique du mouvement, où elle fonctionnait comme secrétaire dans le bureau politique. Elle a travaillé un peu partout dans le monde avec l'USAID, des endroits aussi loin comme le Pakistan, comme en Thaïlande, comme en Géorgie, et pour ne citer que cela. Mary, elle parlait beaucoup de langues, elle parlait et écrivait correctement l'anglais, l'arabe, le kiswahili, le pazande, le lingala et aussi d'autres petites langues locales comme le baka, le mondo. Elle parlait autant de langues comme ça. Voilà un peu, comme vous pouvez le remarquer, c'est une grande femme que notre famille vient de perdre, une femme multidimensionnelle, mais qui était aussi quelqu'un qui aimait beaucoup la vie, qui était d'une relation très facile, serviable pour tout le monde. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que nous sollicitons de vous réunir avec nous pour avoir une pensée pieuse pour elle-même, que le Seigneur lui pardonne ses péchés et que le Seigneur l'accueille auprès de lui et que le Seigneur bénisse aussi notre famille. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable, pour cette présentation et la célébration de la Je reconnais devant vous, mes sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, mes sœurs, de prier. Que nous fassions miséricorde et que nous pardonnions que Dieu nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu, envoyé par le Père pour guérir, en pitié de Thank you.
notre foi à ton Fils qui ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ta servante, Marie du Tessier. Notre Dieu, qui veut régner avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole. Veillons nous recueillir pour écouter cette première lecture tirée du livre de Job, chapitre 19, verset 1, y compris les versets 23 à 27. Et Job prit la parole et dit, si seulement on écoutait mes paroles, si on les gravait à une inscription, avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans les rocs, elles restaient incisées. Je sais bien moi que mon Rédempteur est vivant, que le dernier il surgira sous la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est moi qui les contemplerai. Mon cœur a cru au fond de moi. Parole du Seigneur. Nous espérons que c'était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand elles auront, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils l'ont trouvé vivante. Et lui, ils ne l'ont pas vu. Il est vite alors. Elle est à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et pourtant, le Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui les concernait. Ses richesses,
proposer des bêtes, des serviteurs, des pères, ils perdent tout. C'était un homme riche, mais d'un coup, il perd tout. Donc sa vie est ruinée complètement. Même ses amis, quand vous lisez ces livres, ses amis viennent vers lui pour le temps. Genre, il ne trouve rien de confort. Moi encore, je conseille de la part de ses frères. Malgré tout, ce qui lui arrive, je garde confiance au Seigneur. Les eaux du baptême lui ont donné la vie, prions le Seigneur. Souviens-toi de nous. Par amour de Dieu, qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire, prions le Seigneur. Qu'un jour nous serons tous devant toi, ajoute de la lumière de ta face. Prions le Seigneur. Nos joies, mais aussi nos peines.